La Narratouze, épisode 2. En Corrèze, sur le plateau des Mille Vaches, commune de Perlevade, ici on est à la chapelle du Rat, chapelle du XVIIe siècle, en point haut, à environ 800 mètres d'altitude. Ici, c'est un site religieux, du coup, il y a ce genre de croix catholique en granit un peu partout, il y en a aussi des plus récentes en béton, c'est un peu moins stylé. Le rocher de la Tortue, une table de pique-nique, et puis il y a aussi des rochers en granit, comme celui-là, comme celui-ci à droite, comme ça au centre, carrément à droite comme celui-là. Le granit, roche plutonique, magmatique, très dur, qui s'affroidit très lentement, ce qui a favorisé la cristallisation de minéraux siliceux, quartz, mica, feldspath. Ici, c'est une forêt feuillue, et chose incroyable, tous les arbres sont entièrement recouverts de lichen. Le lichen, c'est la symbiose de trois organismes, champignons, algues, et plus récemment des chercheurs ont découvert qu'il y avait aussi une levure, qui serait à l'origine de la diversité des formes du lichen. Le lichen, c'est aussi un bio-indicateur de la qualité de l'air. Hashtag panorama, hashtag succession de plans, hashtag colline et cuvette, hashtag groupement d'arbres, hashtag forêt de feuillus, hashtag bosquet de résineux, hashtag prêt, hashtag tourbière. Hashtag on commence par l'horizon lointain. On place des masses grises pour différencier la nature des arbres. Des taches grises claires pour signifier les pâtures. Et puis vient le ciel. Puis le premier plan, occupé principalement par les feuillus avec quelques pins de douglas ponctuels. Et puis, à 100 mètres de la chapelle, couvreuse dans la forêt. Un peu triste, la forêt, mes amis. Et puis, on installe ce genre de bâtiment.